Comment ça va le gang? Mon nom c'est Chami et on se retrouve aujourd'hui pour les derniers épisodes de The Pass. Peut-être pas le dernier, je sais pas comment ça va se passer, mais vu qu'il reste que deux persos, je préfère prévoir d'avance à la vitesse où je les fais crever. Ça risque d'être pas notre dernier, mais peut-être l'avant-dernier. Donc il nous reste carrément et Charlotte. Tiens, toi avec ton chapeau pourri là. La la la. Ah, oh, tu aurais pu garder le chapeau, franchement. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Notre fameuse route, nos théories, le meurtrier au bout, etc. Vous savez, si vous avez vu les épisodes précédents, ma théorie sur le fond du jeu, qui est excellemment bien ficelée quand on prend le temps de s'y intéresser. Maintenant, c'est pas le genre de jeu qui plaît à tout le monde, et je le comprends tout à fait. Hein. Allez, la route, maman, tu m'abandonnes, salope. Et ouais, parfaitement, je n'hésite pas à le dire. Maman, fallait pas m'abandonner. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de te buter. Tu vas finir par crever. Ready? Ready à voir le bout du chemin? Allons-y. On a Carmen. Carmenita! Carmenita la bonita, si. Parfaitamente. Allons-y. By Ori Harvey et Michael Saimin. Si je l'ai pas dit à chaque épisode, je ne sais pas ce que j'ai dit. Va voir mamie. Va voir mamie. Le loup est à gauche, on va aller à droite. Si vous voyez, voilà, je suis posé là. J'avais la patte de loup. La patte de loulou, on la voit, elle est au milieu de l'écran à gauche, là-bas. Et le champ de fleurs est à droite. Ah ben si on allait visiter les fleurs, tiens, ça nous évitera de trouver le loup. La la la. Oui, voilà, on n'est plus là, on court. Alors, à quoi tu ressembles, toi? Comment que tu t'exprimes? Ouh, t'as une sale tête, ma fille. T'as une sale tête. Et puis alors, ce body est absolument horrible. Ah là là, le manque de goût. Le manque de goût. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Mais moi, Shani, je le trouve beau. Chacun ses goûts. Moi, je trouve salé. Allez, le champ de fleurs, il est pas loin, normalement. Et je dois avoir ramassé pas mal de fleurs qui traînaient ici dans le dernier épisode. Nos fameuses fleurs à pognon. Non, la patte de loulou, qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Regardez bien le champ de fleurs, il y a la patte de loulou. Je veux pas, je m'en éloigne. Oh, j'avais pas vu ça, tiens. Un bâtiment abandonné au coin du pré. Eh, ma fifille, avance. Avance, fifille! Bouge ton corps, ondule ton body, hop. Ouh, des cartouches. Zone de guerre? Qu'est-ce que ça rajouterait ça à l'histoire? On dirait de la 762 en plus. Et la tronche d'élan coupée. Ok. Alors, une balle? Ah, je le laisse défiler, vous le savez, on n'a pas le temps de lire, sinon... Enfin, on a le temps trop, le temps de lire. Une balle avec mon nom dessus, malheureusement. Donc, ouais, ça pourrait confirmer le fait qu'elles sont déjà mortes. Hein. On retrouve les items correspondant à leur souffrance et compagnie. Hop, y a rien d'autre par là? Vous avez trouvé le champ de balle. Non, tant que c'est pas le trou de balle qu'on a trouvé. Pardon. J'ai vu un arbre un peu space, là. Celui-là, là. Il ressemble à un arbre qui a rien à faire ici. Qu'est-ce que tu fous, là? Arbuste à la con. Non? Vous avez trouvé l'arbuste. Là-bas, il y a une fleur. Et encore une fameuse fleur à pognon. C'est bon. J'en veux. Deux. Miam. Donnez-moi. Merci. La la la. Matez-moi ce cul d'acier. Ma fille, il faut faire du sport. Cours. Y'a quoi par là? Rien. Et rien. Pourquoi y'a des mouches par là? Y'a un cadavre? Ah non, c'est des feuilles. Là-bas, y'a un truc qui brille. Donne-moi tout ce qui brille. Je veux de l'or. Le loup s'est encore déplacé. Et j'ai trouvé une canette, apparemment. Le loup s'est déplacé à la canette.
Donc je vais retourner au champ de fleurs. Et tu dois pas y être vu que t'as la canette. Il part là-bas. Voilà, va au champ de fleurs. Vite en courant, Fifi. Vite en courant. Je fais même le bruit du cheval et tout. Cours, forêt, secours. Et reprends ta raie. Ah, je suis trop fatigué. Moi, courir, je peux pas. Le dernier effort que j'ai fait, c'est quand je suis sorti du ventre de maman. Depuis, j'ai jamais rien fait. Alors, s'il te plaît, cours à ma place. Non, mais oh. Ah, voilà, ça brille. C'est le champ de fleurs, c'est ça? Et y a pas la patte de loup dessus. Non, 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 non. Le loup, il est vers la gauche, là-bas, vers la canette. Bah, pas bien. Il est dans l'angle en haut à gauche, si vous le voyez pas. Il y a une espèce de poubelle canette à côté. Toujours rien? Bordel. Bordel. Ok. Allons-y gaiement dans le bois, dans les champs. On l'a trouvé, c'est pas pour rien. Donne-moi les champs. On s'en rapproche, on s'en rapproche. Je vois de la lumière et des poteaux électriques au bout du tunnel. Mamie, j'arrive. Mamie, viens m'aider. Mamie, cherche à me buter. Mamie, j'ai envie de t'étrangler. Avance. Ah, enfin le soleil. Ah, enfin le soleil. Si j'étais une plante, je pensais que je serais une fleur. Oh, j'ai trouvé une fleur d'amis pour mamie. On va lui mettre, on va lui fleurir sa tombe, mamie. Sauf qu'il y en a, sauf qu'il n'y en aurait qu'une, une seule fleur magnifique toute seule. T'avais pas des frères et des sœurs, toi? Enfin, je dis ça comme ça, mais. Surtout, je sais pas, on a commencé le jeu avec 7 filles, je crois. Tu te demandes pas où sont passées les 5 autres? Non, non, non. Attends. J'ai vu un truc, là, ça brille. Ça, là. Oh, des fleurs! Cool, encore des fleurs pour mamie! Youpi! Elle en avait pas assez. Ok. Bon, ça, c'est un souvenir commun, donc, le champ de fleurs. Des fleurs! J'ai trouvé des fleurs! J'aimerais que quelqu'un m'en offre. Eh ben fille, t'es mal barrée. Tu veux qu'on aille voir le loup pour voir s'il t'en offre? Tu veux qu'on aille voir Loulou? Loulou! Là-bas, il y a un bâtiment. C'est le bâtiment des balles, ouais. Ok. Bah, tiens, j'ai décidé... Mais cours, Forest, sérieux, là. Allez, elle veut pas courir, c'est une feignasse. Allez, avance. Avance! Avance! Quitte ce foutu champ où tu peux pas courir. Je suis handicapé des deux jambes, mes muscles ne répondent pas. Non, je marcherai pas. Porte-moi si tu veux que je cours. Ah voilà, ça y est. Hop, là-bas il y a un truc qui brille. Là-bas il y a un truc qui brille, je l'ai vu. Il brille où? Il brille là-bas. Oh, ça brille plusieurs. Il dit pas, je vois plusieurs choses qui brillent. Le mec est tellement déconcentré qu'il fait, ça brille plusieurs. J'ai vu que ça brille plusieurs. Il y a plein là, ça brille. Du pognon pour Chani, du pognon pour trouver les objets. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est quand on ramasse plein de fleurs à pognon, on a plein d'items à récupérer. Donc hop. J'ai en compte qu'il y en a un tous les 4 ou 5. 21. Ok, j'ai toujours que le champ de fleurs et l'espèce de conserve. Et là, si je récupère celle-là, est-ce que j'ai un nouvel élément qui apparaît sur mon espèce de radar angulaire? Que j'aille me faire enguler? Non, merci. Allez, Forest, cours. Hop, il y en a encore une là. Donc normalement, je devrais avoir des nouveaux objets. Je sais pas, 23? Non. À 25, c'est ça? Hop. Encore. Voilà, tu vois, il y en a plein. Récupère. Oh, une fleur. Une fleur à souvenir de la mémoire. Allez, avance. Encore une fleur à souvenir de la mémoire. Tu veux toujours rien me donner d'autre que la canette? Ordure. Là-bas, ça brille. Là-bas, ça brille. Non, moi je vais chercher la poubelle. Je vais essayer d'y aller sans trouver le loup pour une fois. J'entends des bruits bizarres. Non.
Ma dernière sœur s'est fait buter dans le parc de sport. Non, 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 elle m'a dit non, viens pas. Non, viens pas. Non, 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 voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit non, 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 non. Un bûcheron? Pomme? Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe du bois, toute sa vie coupe du bois. Allez. Je cours vers une cabane, ok. Apprenant les coups de hache. La tente est fermée. La baraque est fermée. Pourtant, la bière est fraîche. Et le feu est toujours chaud. Tu sais quoi, on va aller à la baraque. Il y a des arbres avec des X, ça doit être ceux qui veulent couper. Coupe, coupe, mon gars, t'as raison. Coupe, 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 coupe. Voilà, la baraque, la baraque, la baraque. Va à la baraque. Je remarque que la musique a changé aussi. On a un petit violon tout seul, là. Non, on n'a pas le droit de s'ouvrir, ok. La baraque, j'ai pas encore accès, ok. On va demander à Mauricio la clé. Mauricio? Mauricio? Le feu, le feu, le feu, vas-y. Va au feu. Il y a plein de choses là. Sniff le feu, ma fille. Du bon feu. Du bois pour le feu, du feu pour le bois. C'est quoi? On va aller voir la grande tante. Après, on y va voir la petite droguée là-bas qui se cache dessous. Le chaud rougeoiement caresse ma peau. Me pèle. Le chaud rougeoiement caresse ma peau. Me pèle couche après couche. Jusqu'à ce que je sois pur. Pour toi. Pour toi. Pour qui? Pour toi. On vient de se siffler une binouse aussi, t'as oublié de le dire. C'est bon la bière. Drôle de position, ma petite fille. Ici, des bières et des bonnes, j'y arrive plus à marcher. J'y vois à travers une tente. Salut, toi. Dis-moi bonjour, bordel de. Coucou, petite fille. Coucou, petite fille. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu lui as dit bonjour? Ok. Et ça m'a rien donné, donc ça sert absolument à rien. Ok, la bière, je l'ai sifflée, c'est bon. C'était bon. Et toi, qu'est-ce que t'es? Il y a un objet là. Vas-y. Des caisses. Qu'est-ce qu'il y a dans les caisses? Des balles de 7,62, je parie. Vas-y, vas-y. Ah non, c'est pour poser son cul. Oh, super. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai posé un cul au coin du feu, juste pour le plaisir de le poser, tu vois. Bon, fille, tu sais ce qu'il te reste à faire? Va voir le gentil bûcheron, qui va te mettre un coup de... Il y avait un objet entre nous deux? Oui, là, il y a par là, il y a quelque chose. Voilà. Ah, c'est le bûcheron. Eh ben, vas-y, fille. Excuse-moi, Gary. J'ai vu ta casquette. Yes. Elle me va mieux à moi qu'à toi. Regarde, elle est exceptionnellement assortie à ta chauvitude. Ok, non, faut pas porter de casquette, sinon on finit comme ça. C'est cool. Merci. C'est bon, j'ai fini. Ça y est, tu fais la gueule. Et ben mon guerrier, tu dis rien d'autre? What's up, mec? Pourquoi t'as pris ta hache? Non, je me casse. Oh, oh, oh. Il veut te parler, Gary. Regarde, il veut te parler. Salut, Gary. Hello, man. Tu as déjà vu un petit boutille aussi sexy que ça? Non, hein? Allez, dégage. On va retourner voir la petite droguée, là. Peut-être elle nous apprendra des choses. Allez, 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 allez. Oh, je comprends. Salut toi. Non, elle veut pas me voir maintenant. Eh ben moi je vois que j'ai un objet là, une espèce de... On dirait qu'elle se fait... Franchement non, cet écran...
prête vraiment à confusion. Je vais retenir mes commentaires salaces, mais j'en en pense pas moins. Et toi, cours, bordel, elle a bu la bière. Cours, bordel de Dieu, mais cours. Ça y est, on s'est sorti des griffes de là-bas. La 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 la. Va trouver la baignoire magique. Droit devant, Tazi, droit devant, cours. Ouh, il fait de plus en plus noir. Pourquoi? Voilà, j'ai trouvé la baignoire. Non mais, franchement... T'as glitché ou quoi? Eh fille, sérieux. Va me ramasser la fleur, je veux vérifier. C'est bon, j'ai ramassé une fleur. Voilà. Et la baignoire, tu peux ou tu peux pas? Pourquoi tu me fais ta pose de push-tross? Ok. Elle veut pas. C'est pas moi qui veux pas, les mecs. Vous savez quoi? On va aller voir le loup. Loulou, d'où y es-tu? Je le vois sur mon écran. Il est par là, loulou. 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 Loulou. Loulou, c'est toi? Oui, c'est moi. Ça doit être là, le loup. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai la casquette. Est-ce que je dois réessayer? La tente est fermée. Est-ce qu'on doit essayer d'aller à la tente? Je veux comprendre. Ok, la tente, la baraque, la bière, le feu. Tente, baraque, bière, feu. Donc on va essayer dans cet ordre-là. Tente. Non, 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 pas la bière, pas la bière, pas la bière. Bois pas la bière, bois pas la bière, bois pas la bière maintenant. La tente. Eh ben, what's up? Étire-toi, ouais, ah, yeah. Mais Fifi, non, tu veux pas jouer avec moi? Ok, la tente. Donc là, c'est la bière. Je vais essayer de l'autre côté. La tente est fermée. La tente est fermée. J'ai la casquette de l'autre... Cinglé, on va dire. La tente. Je peux rien faire avec la tente? Non. Et j'en ai marre de marcher. Je veux courir. Bon, et si j'allais au coin du feu? Ah, je sais, j'ai la casquette, je vais prendre une bière. Je vais aller au coin du feu la siffler. Bois la bière. Ah, là, j'ai droit à un objet. Ok. J'ai trouvé la bière. C'est cool. Le feu. Fraîche. Fraîche dehors et chaude dedans. C'est la bière, quoi. Tête qui tourne et sang qui bout. Sang qui bout. Voilà. Donc j'ai eu la bière ici. Je vais essayer d'avoir la cabane. Allez, la cabane. Voilà, va à la cabane. Ah, tu peux pas ouvrir maintenant que t'as la casquette. Ouvre-toi, sésame. Non, elle veut pas. Elle veut pas. Ok. Et Loulou, il veut toujours pas me parler? Loulou? Parce que je sais pas ce que c'est lui, mon Loulou à moi. Loulou? Eh ben, Mauricio, regarde. Je t'allume et tout, regarde. Hop, je suis là, Mauricio. Oh, quel homme! Tranche. Tu vas lui planter la hache dans le dos à un moment ou... Oui, il veut. Non, c'est pas ça. Ok, il y a un espèce de truc à décoder là que j'avais pas compris.
Ça m'énerve de pas comprendre, ça m'énerve. Ok, j'ai eu la bière que j'ai pas eu tout à l'heure. Le feu c'est fait. Maintenant la petite fille droguée. Eh ben alors. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te caches? Tu te caches de quoi? De la cabane au fond du jardin? Ok, et le feu? Non, je veux pas les barils, je veux le feu. Voilà, le feu maintenant qu'il est allumé. Est-ce que ça va me donner quelque chose? Ouais, donc il l'avait pas mémorisé. J'ai ça, j'ai le feu. Et il parle de la cabane. Donc maintenant, je dois essayer d'ouvrir la cabane. Le chaud rougeoiement. Oui, tu me l'as déjà dit tout à l'heure. Le chaud rougeoiement caresse Mania. Et maintenant, ça. Tu veux pas me l'ouvrir, ça? Allez. Sésame, ouvre-toi. Il y a Mauricio à côté, en plus. Il pourrait te poignarder quand il a envie, te mettre le coup de hache que tu mérites. Mais non. Mauricio, je lag. Je vais faire le tour de la cabane, moi. Je sais plus du tout où est mon personnage, je le vois plus. Cours, non? Ok, il s'est perdu. Je vois son ombre. Non, 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 reviens en arrière. Voilà, reviens. Ah ben, je l'avais perdu. Tu veux toujours pas me parler, toi, je suppose? Pourtant, j'ai sifflé ta bière. C'est quoi qu'il faut faire? Ah, je capte pas, j'aime pas capter. Je vais déambuler ici et puis je vous retrouve tout de suite. Hein. Ah, Mauricio va couper un autre arbre. Qu'est-ce qu'il va faire? Où il va, Mauricio? En fait, j'ai coupé et puis à ce moment-là, il commence à agir donc. Non, il est reparti couper du bois. Allez, voilà. Va lui dire bonjour à elle. Non, elle veut pas. Ça commence à m'énerver. Je vous retrouve tout de suite. Ok, je vais vérifier une idée que j'ai. J'ai ravivé le feu, j'ai bu une bière. Est-ce qu'il se passe quelque chose si je squatte là? J'ai absolument aucune idée de si ça va se faire ou pas, mais... Je veux attendre en fait voir si Mauricio il pose sa hache. Voilà, là je viens de voir qui le fait. Yes, je crois que j'ai pigé. Ah, ouh, ça m'a pris du temps. Bordel. Vas-y Momo. Oh oh. Elle a croisé le mauvais bûcheron apparemment. Regardez où il est en train de mater. Après on me traite de pervers, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Faut attendre encore? Ou faut faire quelque chose? Non, faut attendre. Ok. Oh oh, les tambours, ils te filent une bière. Ça y est, c'est parti. C'est là où il faut commencer à réfléchir. Elle boit la bière, il y avait un truc dedans, elle termine morte, comme d'hab. Regardez-moi cette tête de pervers, quoi qu'il a. Petite fille, bois ta bière. Moi, j'en ai pas bu une goutte de la mienne. Tu te poses pas de questions? Hop, et voilà, la petite fille termine bourrée au coin du feu, perdue en pleine forêt avec un inconnu.
Oh, oh, c'est quoi ces bruits? J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Non, 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 j'aime pas ça. Oh oui, c'est vrai, il y a le moment super lourd où ils marchent comme des tortues à qui on aurait coupé les pattes, quoi. Ils sont en train de ramper sur le ventre, un peu comme un serpent, mais qui ne saurait pas ramper. Ah là là. J'ai mal à la tête, qu'est-ce qui m'a fait? J'ai mal au cou. Tu veux pas savoir, ma fille, mais à mon avis, tu t'es fait... bien comme il faut. Allez, marche, 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 t'as des plus grandes jambes, tu dois marcher plus vite que les autres. Voilà, ouvre le portail maintenant. Ouvre le portail, vas-y. Ah, chaque fois c'est pareil, ça m'énerve d'attendre comme ça, ça m'énerve. Avance, avance, avance ou je vais finir par t'éclater les dents, avance. Tes sœurs m'ont fait poireauter 3 minutes à chaque fois ici, 3 minutes dans une vidéo, t'imagines même pas. Ah là là, c'est mou, c'est long. Ah là là. En attendant, il me reste qu'à vous dire que si tu aimes le contenu de The Pass, tu n'oublies pas de laisser un j'aime avant de découvrir la fin de Carmen, qui apparemment s'est fait violer par un bûcheron dans les bois. Et qui peut-être même s'est fait buter. On va voir ce que mamie allait nous dire. Enfin, la maison de mamie, cette espèce d'enfer psychologique. Et mémorial. Ouh, pardon. Pourquoi il y a une... La scie du bûcheron. Ok, je crois qu'il a découpé son cadavre. Ok. La porte avec une croix. C'est là que ça a eu lieu, donc. Descends à la cave. Oh, 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 oh. Donc, qu'est-ce que cette pièce pourrait signifier? Il y a une pile de matelas, donc la cabane fermée. Hein, voilà, c'est là où on s'est retrouvé apparemment, une fois qu'on a bien picolé. Allez, continue d'avancer, bordel. On voit mon ombre sur le mur, je suis pas très très rassuré. Il y a une espèce de trône en hauteur, donc... Et des gens en dessous, un peu comme une secte. Sous l'eau. Oui, d'accord, si tu veux. Tu m'as fait faire le tour de la pièce pour rien. Oh. Avance, 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 avance. Et on ressort, ok. Donc on a fait le tour d'une pièce totalement vide, avec des chaises vides, je sais pas. Tout est marqué. Je connais ces bruits là, mais... Je peux pas y aller. On est dans une espèce de cabane dans les bois. Avec des bruits porno dans les oreilles. Allez, avance. Ou des gens qui souffrent bizarrement, je ne sais pas ce que les doubleurs ont voulu faire, mais là ça me fait plus penser à de la douleur, quoi. Cet élan me regarde bizarrement. Oh. Ok, marqué d'une croix, avance. Qu'est-ce que c'est que sur le mur? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ouh là, nous on a fini en enfer, ou alors il a brûlé le corps, tu vois? Ça pourrait signifier ça, que le mec il s'est bien occupé de toi et après il a découpé ton cadavre et il a brûlé les restes. On va avoir droit à la lumière au bout du tunnel nous aussi. Vas-y, 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 avance, avance, avance. Mamie a un arbre planté au milieu du tronc. C'est toi l'arbre, en fait on termine enterré, voilà. Je me suis bien fait tuer et je termine enterré dans les bois par le fameux bûcheron. Merci, merci les amis, c'était un super voyage que Carmen et moi on a réalisé ensemble. Objet collecté 2 sur 9, ok. Pièce spéciale débloquée 2 sur 3. Distance parcourue, je sais pas, j'ai beaucoup couru, 1 km. Rencontre avec le loup. Oui, oui, on a vu le loup, on l'a vu le loup. Classement C. Vous avez trouvé l'aire de camping. Oui, mais j'ai pas envie d'y retourner, je sais pas pourquoi, mais... Voilà. Et en attendant les mecs, eh ben, il me reste plus qu'à vous dire de vous abonner si vous voulez recevoir toutes les vidéos, de laisser un j'aime si tu as apprécié le contenu de The Pass analysé par Shani, et on se retrouve au prochain épisode qui sera le dernier avec Scarlett. Peace !